Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à peu près bien réveillés. Si c'est comme moi, il va falloir se mettre en route. Bienvenue pour notre petite séance de réveil matinal. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on est vendredi, donc ça c'est plutôt chouette. Donc on va essayer de se réveiller tranquillement ensemble, de s'échauffer et de démarrer la journée sur un bon pied et dans une bonne énergie. Donc je vous propose de vous asseoir confortablement sur un coussin ou sur un petit tabouret comme c'est plus agréable pour vous, en tailleur. Voilà. Soyez bien assis sur vos deux fessiers, les épaules détendues, et venez ici, fermez les yeux et prendre conscience de votre respiration. À l'inspire, on sent l'air qui rentre dans le corps par la cage thoracique qui s'ouvre et les côtes doucement qui se déploient. Et à l'expire, l'air qui ressort et le ventre qui se rétracte naturellement. En prenant conscience de cette respiration, on peut progressivement se centrer, venir pleinement sur le moment, dans la séance, laisser derrière nous peut-être les idées matinales et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, juste essayer d'être ici, laisser les pensées passer sans juger et venez pleinement vous centrer et vous connecter à votre respiration. Et peut-être mettez une intention pour la pratique de ce matin, pour la journée. Tout simplement remercier pour la semaine qui vient de s'écouler, qui est presque terminée. Et on rentre pleinement dans l'instant présent. On va chanter ensemble trois fois le Om et le mantra de la Gayatri. Donc vous pouvez chanter à voix haute ou mentalement, comme vous préférez. On y va ensemble, on inspire ici. Ensemble, une grande inspiration, on va lever les bras par les côtés, on a toujours les yeux fermés, on vient crocheter les mains au-dessus de la tête, on retourne les paumes vers le ciel et on s'étire.
tire le plus haut possible, on étire le dos, la nuque. On peut même monter un peu les épaules. Et on expire, on relâche, on redescend les bras par les côtés vers le sol. Alors pour commencer, je vous propose un petit exercice de pranayama, donc de respiration qui s'appelle Shitali. Donc Shitali, ça va consister à venir rouler la langue en bec d'oiseau. Donc je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Shitali. Donc vous faites un petit rond avec la langue. Comme ça, voilà, c'est magnifique, mais il n'y a que vous dans votre salon, donc ne vous inquiétez pas, personne ne vous voit. Si vous ne pouvez pas faire le rond, parce qu'apparemment il y a des personnes qui ne peuvent pas, ce n'est pas un souci, vous mettez la langue derrière les dents de devant. Donc l'exercice qu'on va faire, donc on va venir mettre le menton vers le bas, rouler la langue, et on va inspirer du coup par la bouche, en levant la tête, et on va expirer en refermant la bouche, par le nez. Donc je vous montre, ça va faire. Voilà, donc on va faire ça 6 fois. Sentez bien la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration, l'air qui rentre, le mouvement de la tête qui fait que l'air rentre plus facilement, et c'est une sorte d'air frais, d'air qui va nous réveiller tranquillement. Et à l'expiration, les épaules qui se relâchent et le ventre qui se rétracte. Donc on y va ensemble. Donc prenez une assise confortable, soit en tailleur, soit sur les genoux, en Vajrasana, comme vous préférez. Les mains sur les cuisses. Et on est parti pour la première respiration. Donc on fait le petit bec d'oiseau avec la langue, la tête, le menton vers le bas, les yeux fermés. Et on inspire, on va venir lever la tête, le visage vers le ciel. On inspire. Rentrez la langue, fermez la bouche et expirez par le nez en redescendant la tête. Les yeux toujours fermés, le visage vers le sol, le menton vers le bas cette fois-ci. Et une deuxième fois, on inspire la même chose. Sentez la cage thoracique qui se déploie, l'air qui rentre et on expire. On descend la tête, on expire par le nez et le menton vers le bas. Encore 4 fois, on inspire. Sentez aussi progressivement que la nuque se détend, se réveille, se relâche. S'il y a des tensions dans la nuque, les épaules, essayez de respirer, d'envoyer de l'air, d'envoyer de la détente dans ces endroits-là. On y va encore 2 fois. Sentez bien l'abdomen qui se rétracte. Quand vous expirez, et une dernière fois, on inspire, on ouvre le cœur, on fait rentrer l'air par la bouche, l'air est frais, rafraîchi par l'entrée dans la bouche, et on expire par le nez, la bouche fermée. Bien, on va pouvoir continuer en se mettant debout.
Mettez-vous à peu près au milieu de votre tapis. On va faire une petite séquence de trois postures. Donc la posture Tadasana qui va venir en équilibre, la posture Uttanasana qui est la flexion vers l'avant et la posture Dardha Uttanasana qui est la demi-flexion. Donc on va y aller ensemble, on va inspirer, on monte les bras sur les côtés, on monte sur la demi-pointe et on vient mettre les bras à peu près à 45 degrés et on ouvre la poitrine. On expire, on vient mettre les mains derrière la tête sans les croiser, elles sont juste superposées l'une à l'autre. Et on inspire, on redéploie les bras, on ouvre le cœur le plus possible. On expire, on va venir en flexion avant, donc doucement on repose les talons. Et on penche, flexion avant, on vient pour le premier plier les genoux, tout le monde, poser les cuisses, le ventre sur les cuisses, relâcher bien la nuque. On inspire, on va venir en dos plat, les bras s'ouvrent sur les côtés, pareil, la sensation que le cœur s'ouvre, le dos est long. Et on expire, on revient en flexion avant, on plie les genoux pour mettre le ventre sur les cuisses, on relâche bien la tête. On remonte, les bras nous guident et on revient sur la demi-pointe en équilibre ici. On inspire, on revient mettre les deux bras derrière derrière la tête. On ouvre les coudes au maximum. On inspire, on expire, pardon, on déploie les bras. Et on expire, on revient vers la. Voilà, donc on va faire ça encore 5 fois, je vous guide, on inspire, les bras par les côtés, vers le ciel, on s'étire ici, on expire, on vient mettre les mains derrière la nuque, les coudes bien ouverts, on inspire, on redéplie les bras, on ouvre bien le torse, et on étend bien la colonne, et on expire. On vient en flexion avant, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses, on relâche la tête. On ouvre les bras sur les côtés, on vient en dos plat, Ardha Uttanasana, on étire le dos et on a bien les jambes tendues dans cette posture et on expire. On revient en flexion avant, en pliant les genoux. On inspire, on vient se remettre droit, debout, puis en équilibre. On expire, les mains derrière la tête. On inspire. Et on expire, on revient. On continue, je vous guide un peu moins. On inspire. On expire. On inspire, les bras au ciel. On expire, flexion avant. Vous voyez si vous pouvez commencer à un peu moins plier les genoux, est-ce que les jambes s'échauffent. On inspire dos plat, Ardha Uttanasana, les jambes bien tendues, le dos bien droit, qui tire vers l'avant. On expire vers les jambes de nouveau. On inspire, on remonte. Doucement, on revient en équilibre. On expire. Les bras derrière la tête, on inspire, on s'étire, on se grandit et on expire, on va descendre. Encore 3 fois à votre rythme, on inspire, on expire, les bras derrière la tête, on inspire vers le ciel, on expire, flexion vers l'avant, on inspire de plat. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Et on remonte doucement, c'est les bras qui nous guident, comme si quelqu'un nous tirait les bras pour nous grandir le plus possible. On vient sur la demi-pointe. On expire, les bras derrière la tête. On inspire, on les déploie. Et on expire. Encore 2 fois, on inspire. On expire, essayez d'ouvrir de plus en plus le haut du buste. On inspire et montez encore plus haut sur les demi-pointes. Et on expire.
avant. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire vers l'avant. Inspire, les mains guident le mouvement. Demi-pointe. Expire, les bras derrière la tête, on ouvre. On inspire. On envoie le sternum vers le ciel et on expire. Dernière fois, à votre rythme. Essayez d'avoir les jambes serrées, les pieds collés, les genoux, les talons en contact dans tous les équilibres. Tout le monde va bien, pas de soucis, non, ça a l'air d'aller, on continue. Donc, j'ai préparé une petite sorte de variante de la salutation au soleil. Donc, on va venir à l'arrière de son tapis. On va faire un grand pas sur l'avant avec le pied gauche. On va ouvrir légèrement le pied droit à l'arrière. Et on va démarrer en faisant la posture du guerrier Virabhadrasana. Donc je vous guide, on ouvre les bras sur les côtés, on plie la jambe gauche en inspirant. En expirant, on va venir se pencher, flexion avant sur la jambe, on va venir mettre les mains où on peut, ça peut être sur la jambe, c'est très bien, si on peut on est au sol. On vient inspirer, on stretch le dos, on essaie de faire dos plat, donc si on a les mains sur la jambe, on peut être ici dans une expiration et ensuite on inspire, on tend les bras et le dos. Donc on va inspirer ici et on va expirer, on va poser ses mains au sol et on va venir prendre Adho Mukha Janasana, le chien tête en bas, et on expirera ici. On va retenir sa respiration, on pose les genoux au sol et on va venir ramper le plus près possible du sol avec le menton. Et on va prendre Bhujangasana, la posture du cobra sur l'inspiration. Ensuite, on revient, on retient sa respiration, on rentre en arrière. Pareil, le menton et la poitrine proches du sol le plus longtemps possible. Et on expire, on prendra le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va inspirer, on va ramener la jambe gauche à l'avant, ouvrir le pied droit légèrement à 45 degrés pour se retrouver dans notre posture de Parshva Uttanasana. On va inspirer ici. On va expirer ici. Puis on va inspirer, on va revenir en Virabhadrasana. La jambe gauche pliée. Et on reviendra en expirant. Allez, courage, c'est parti. Une fois qu'on est dedans, ça se passe bien. On y va, on inspire, restez bien concentré à l'instant présent, à ce que vous faites, soyez pleinement présent. On expire vers l'avant, flexion. On inspire, on tend le dos, on s'étire et on expire, on vient prendre Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, on expire tout l'air ici. On retient son souffle, on pose les genoux, on pose les bras, les avant-bras et on rampe. Et on inspire dans le cobra. Et on expire, on fait le chemin inverse, on rampe en arrière. Et on finit l'expiration dans le chien tête en bas ici. On inspire, on vient poser la jambe gauche devant, la jambe droite légèrement ouverte, la jambe gauche tendue. On inspire ici, on expire sur la jambe, on inspire, on remonte dans le guerrier, la jambe gauche pliée et on expire.
fois, on inspire, on ouvre les bras. Guerrier, on plie bien la jambe devant, la jambe derrière tendue. On expire sur la jambe de devant, bien tendue la jambe de devant et flexion avant. On inspire, on étire le dos ici. On expire, on vient en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On finit l'expiration ici. On pose les genoux, on pose les avant-bras et on rampe. Et on prend le cobra. Et on fait le chemin inverse. Et on expire. Adho Mukha Svanasana. On inspire. On vient poser le pied gauche devant. Et on expire sur la jambe. On s'étire. On inspire, on remonte Virabhadrasana. La jambe gauche bien pliée, les mains sur les côtés, on ouvre le cœur et on expire, on retend la jambe gauche et on baisse les bras. Une dernière fois, à votre rythme. Et quand vous avez fini, vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Et vous pouvez fermer les yeux quelques instants, sentir peut-être une énergie qui circule différemment entre la droite et la gauche. Peut-être le souffle légèrement plus rapide. Juste observer sans juger. Testez, tentez, sentez les sensations, ça ne veut rien dire, c'est pas grave. On continue, jambe droite, un grand pas vers l'avant. On ouvre légèrement la jambe gauche vers l'arrière et on va faire exactement la même petite séquence. Donc on va inspirer, j'ouvre les bras, j'ouvre le cœur en Virabhadrasana. J'ai ma jambe droite bien pliée. J'expire, flexion avant. Bien sûr, vous pouvez garder la jambe légèrement fléchie hein, si vous êtes plus confortable comme ça. J'inspire, je stretch le dos, je m'étire. Et j'expire, je prends Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Je retiens mon souffle, je pose mes genoux, mes bras. Et je fais une rotation vers l'avant, j'inspire dans le cobra. Je retiens mon souffle, je reviens vers l'arrière, toujours le menton et le buste plus près du sol. Et j'expire en Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je viens poser mon pied droit entre mes mains, mon pied gauche à 45 degrés derrière, les deux jambes sont tendues. J'inspire ici, dos droit, on s'étire bien. Et j'expire sur la jambe. J'inspire, Virabhadrasana. La jambe de devant est bien pliée. Et j'expire, je retends la jambe et je ramène les bras. On inspire, on retourne. On expire, flexion avant. On inspire, on stretch. On tire le dos. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, ensuite genou au sol, on rampe vers le cobra et on fait demi-tour et on expire, on a donc la Svanasana, ensuite pied droit devant, jambe gauche légèrement ouverte, les deux jambes sont tendues, on s'étire, on inspire,
on expire vers la jambe, flexion avant. Et on inspire, on revient en Virabhadrasana, la jambe droite est pliée, les deux bras à la hauteur des épaules, on ouvre le cœur. Et on expire, on redescend les bras doucement et on tend la jambe. On inspire, plie la jambe de devant et on expire sur la jambe. On inspire, on stretch et on expire, on prend le chien tête en bas. Normalement, il n'y a pas trop besoin de bouger les mains. Et là, on pose les genoux, les avant-bras et on rentre en cobra, on inspire. Et chemin arrière. On expire. Pieds droits entre les mains. Et on reprend notre grande fente, les jambes tendues. On inspire ici. Et on expire sur la jambe. On inspire, Virabhadrasana. On ouvre le cœur. Et on expire, on ramène les bras, on tend la jambe. Dernière fois, à votre rythme. On inspire. Quand vous avez fini, vous pouvez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et de la même manière, peut-être fermer les yeux si c'est confortable. Et observer votre souffle, votre corps, vos jambes, l'énergie qui circule. Et le corps qui se réveille, la colonne qui est bien érigée, bien droite. Et maintenant, on va aller s'allonger au sol et on va aller voir, observer les sensations qu'on a. C'est de garder en mémoire les sensations que vous avez eues quand vous étiez debout et venez vous allonger en Shavasana. Donc les jambes écartées à peu près à la largeur du tapis, les bras bien ouverts sur les côtés, les mains, les paumes de main vers le ciel. Et là, ressentez votre souffle, l'énergie qui circule, vous êtes pleinement présent à la séance. Si les pensées partent, ramenez-les à votre respiration. Et on va venir plier, se mettre à peu près au milieu du tapis, venir mettre, plier les jambes, mettre les genoux vers la poitrine, les paumes de main sur les genoux, donc paume de main droite sur genou droit, paume de main gauche sur le genou gauche. Et à l'inspiration, on va étendre les jambes vers le ciel et les bras au-dessus de la tête. On inspire et on expire. On ramène bras et jambes, les bras sur les mains sur les genoux. On inspire, on déploie les pieds vers le ciel, les bras au-dessus de la tête. Les jambes bien tendues à 90 degrés. Et on expire, on ramène, on rétracte l'abdomen. Et on expulse bien tout l'air. On inspire, on ouvre la
cage thoracique, on prend l'air. On tend bien les jambes, on met les pieds flex. On ferme les yeux dans ces postures si possible et on expire. On ramène. Encore deux fois, on inspire vers le ciel et on expire. On ramène. On inspire vers le ciel. Les bras au-dessus de la tête, pieds bien flex, jambes tendues. Et on expire, on ramène. Et là, on va venir mettre ses mains derrière ses cuisses. Et on va juste rouler pour venir s'asseoir. Hop. On va garder les jambes pliées devant soi, à la largeur du bassin. Et on va venir mettre les mains légèrement derrière les fessiers pour monter sur la posture qui s'appelle Chatuspatapita. Donc on va y aller ensemble, on va lever le bassin, on inspire et on expire, on ramène les fesses au sol. Encore une fois, on inspire, on lève le bassin, le thorax, la tête. Regardez juste au-dessus de soi et on expire. Et encore une fois, on va rester, on inspire. Essayez de faire une belle table, une belle planche. La tête peut regarder en fonction de votre nuque, soit en diagonale légèrement au-dessus de vous, soit être complètement renversée vers l'arrière, à vous de choisir. Pour Vatalasana. Donc on tend les jambes, on vient mettre les mains légèrement à l'arrière du bassin et on y va, c'est parti. On inspire, on lève les fesses, on vient en fait, le poids du corps est parti entre les talons et les bras et on expire, on revient. On inspire, on monte. On essaie de toucher le sol avec ses orteils. On expire, on revient. Et on inspire, on monte et on va rester. De la même façon, la tête regarde devant, enfin légèrement diagonale au-dessus de soi ou est complètement renversée derrière. Et on reste, on continue à respirer dans cette posture. On ouvre le cœur. Et on revient tout doucement. On va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. Et on va expirer, flexion avant. On peut plier légèrement les genoux si besoin pour venir poser le ventre sur les cuisses et relâcher la tête. On inspire, on remonte le dos, les bras au-dessus de la tête qui nous guide. Et on expire, on relâche vers l'avant. Une dernière fois, on inspire. Ici, on grandit le dos le plus possible et on va venir le plus loin possible en flexion avant, comme si on voulait mettre ses mains le plus loin possible de ses pieds. Et on va rester ici, plier les genoux si besoin pour bien poser le ventre sur les cuisses et sentir cette contraction de l'abdomen en Paschimottanasana. Prenez ici quelques respirations, détendez totalement la nuque, les épaules et le contenu de la tête. Doucement, vous remontez les bras de chaque côté des oreilles qui guident le mouvement et vous remontez.
du corps. On va pouvoir venir se mettre en tailleur pour finir. Les yeux fermés. On se reconnecte à sa respiration, à son intériorité. On reprend conscience progressivement de notre environnement. Peut-être des bruits autour de nous, des gens, de la vie, de la nature, de la ville qui se réveille. Et on se remercie pour ce moment, pour ce réveil en douceur qu'on s'est accordé ce matin, ce temps pour soi avant de démarrer notre dernière journée de la semaine. On va venir mettre ensemble les mains sur le cœur en Anjali Mudra. On va prendre une grande inspiration. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence ce matin, pour cette belle séance, cette belle énergie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir à 18h. Ciao, ciao, bonne journée.